Et dans la région de Québec, il y a une autre famille qui traverse la pire épreuve qui soit ce soir. Un enfant a été retrouvé inanimé ce midi dans une piscine résidentielle de Saint-Apollinaire. Et malheureusement, il n'a pas survécu. Il est du camp. Drame dans Chaudière-Appalaches à Saint-Apollinaire, alors qu'un bambin est décédé des suites des événements qui se sont déroulés ici sur la rue Dufresne à Saint-Apollinaire. Les policiers qui ont été contactés pour venir en soutien aux ambulanciers concernant un bambin retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans la piscine familiale résidentielle de cette résidence. Vous la voyez, cette piscine hors terre à l'arrière de la maison. Des manœuvres de réanimation qui ont été effectuées. Le bambin, dont on ne connaît toujours pas l'âge pour le moment, a été amené vers un centre hospitalier où alors on craignait pour sa vie. Mais le décès du jeune bambin nous a été confirmé aux alentours de 17 heures. Bien évidemment, il y a une enquête du coroner qui est ouverte. On tente de comprendre les causes et les circonstances de ces événements. Éliduquet, TVA Nouvelles, à Saint-Apollinaire.